Bonjour à tous et à toutes, ici Akai et on se retrouve sur Europa Universalis 4 pour la suite de notre campagne consacrée à Byzance. La dernière fois, on avait réussi à reprendre Rome, oulala. Oui. L'Autriche demande de l'aide pour conquérir Trévise, d'accord. Eh ben, on accepte, on va pas perdre de points. On foire la mission, c'est évident. Notre mission, c'est quoi? Course navire contre l'Espagne? On a bientôt un accès à la Crimée, voilà. Déclaration de guerre. Prendre Halab. On peut faire encore une petite, comment dire, action de la site. Si, on peut encore faire un claim sur Hama. On va renvoyer la flotte ici, je vais juste vérifier une chose pour les cultures. Ouais, faut pas que je prenne les cultures machrekiennes. Faut que je laisse qui est kurde et machrek. Quoique Trébizon, mes vassaux, il revendique quoi? Il revendique tout ce qui est machrekien, hein, attendez. Limite, on peut faire un gros bloc culturel. On prend tout ce qui est machrek. On se garde tout ce qui est kurde. Intégration de la Crimée, très bien. Bonne nouvelle. On va les désigner ici. Et pour cela, on va lancer une déclaration de guerre. Prendre Halab. Vous allez venir ici. Vous allez nous aider à traverser un petit peu. Vous venez armer ici pour exploser un peu les ennemis. Bataille navale perdue, c'est pas trop grave. Traverse et voilà, on va traverser. Dommage, ça a peut-être nous arrêter avant qu'on traverse. Ça aurait été mieux. Mercienne, on pourra les intégrer quand vous. Bah, dès que je veux les intégrer. Unité religieuse. Ouf. Allez, on va prendre ça. Pas le point. Bah non, c'est débile, j'ai fait une connerie. Après, tu prends cette mission-là, je pourrais jamais la faire, l'unité religieuse. Tarabulus, voilà, c'est là, c'est pris. Est-ce que vous avez... Non, on va perdre là. On va se replier, il faut absolument qu'on prenne le point là. Et qu'on va voir plus jusque là-bas, bande de crétins. On va une armée ici, par ici. On va encore reprendre le contrôle de l'Est. Si on réussit à prendre les forts ici, on peut les bloquer.
Perse a une guerre contre l'Oman, la vache. Ça intéresse surtout la culture syrienne. Hein. C'est un bordel la religion ici. Surtout encore la culture en plus. Oh là là. C'est le foutoir. Eh, il faut vraiment qu'on résolve un peu le problème ici de tous ces. De tout ce. Ce mélo là de culture, de religion. Là, ça m'occupe Nice. Ouais, je m'en fous, moi. On cogne totalement. Parce que voilà, ça voit, je veux dire, moi, elle se caresse, hein. Oh putain, encore des. Encore. Ouais, perte de stab. Perte de stab, c'est pas hyper grave. Faut absolument que j'occupe Damas, parce que Damas a un nœud pour verrouiller le point de passage. Alab c'est pris. Faut vraiment qu'on neutralise les petites armées, et surtout qu'on essaie réussisse à prendre. C'est déjà à se faire attaquer ici. Ils ont plus les armées entières, les salopios. Faut que je défonce. On a pris Chypre, très bien. On rapatrie des renforts en Cilicie de manière à pouvoir un peu reprendre du poil de la bête. On dit des fois dans le jargon. Plein de provinces ici à occuper pour les. Pour empêcher qu'ils refassent popper des troupes par ici. Mais c'est pas possible, je peux pas encore reperdre! Ici, me casser les pieds, allez. Ouais, c'est bon. Mamelouk a repris Travazus là. C'est pas grave après tout. Le but c'est notamment d'exploser les petites armées ennemies. Oh, je vois la flotte par ici. Bon, le but serait de pouvoir voir ce qui se passe. Si je mets la flotte ici, je peux voir ce qui avance. C'est possible là. C'est quoi ce mouvement? Ils ont juste passé par là pour redescendre là. L'Espagne qui occupe la Morée, bien sûr. Sans emmerder encore plus. C'est quoi? Je me casse! C'est bon, l'Espagne. J'avais encore 5000 hommes ici. Accumuler de l'argent. Ou plus que 790. On va prendre tout de suite la mission. C'est bon, là. Heureusement qu'il y a les vassaux qui m'aident. Hein. Heureusement que les vassaux font le boulot hein, à la place. C'est abusé d'avoir autant d'alliés quand même. Les Mamelouks là, ils ont trop de potes. Je pense qu'en fait, il faudrait que je tabasse un peu la Géorgie là. Ça. Ça soulagerait, je pense. J'ai pris énormément cher là, au niveau des mes armées.
Vraiment que je me charge d'occuper au plus vite Rabat et tous les autres là. C'est bon, on arrive à descendre. Je crois qu'il y a la Perse là, elle a perdu pas mal. Oh mon dieu, le manque est énorme. Au moins qui allait qui? Qu'est-ce que c'est cassé le cul avec les provinces cures, sérieusement? Vache, on s'est vraiment emmerdé écrit pour rien. Hein. On avance vers Jérusalem ici. Durée du recrutement, ben voilà. On va ralentir un petit peu le rythme, c'est tout. Il faut qu'on arrive vite, c'est bon, on arrive, on y est arrivé. Un conseiller qui meurt. J'aime pas ces guerres-là parce que ça se passe assez mal en ce moment. On arrive à Gaza. Le Hedjaz, on s'en moque. J'ai besoin de lui refiler tout ça. Faut vraiment pour cette guerre là qu'on neutralise les ennemis, vraiment que je mette à terme assez rapidement parce que j'ai plus beaucoup d'effectifs, hein. Je suis vraiment à sec. Hein. Donc voilà, près de 12 ans pour pouvoir refaire le plein. Un pays qui voudrait abandonner là, le Jazz par exemple. Vous voulez pas abandonner les gars? Je sais pas. Hein. Tunis, vous n'êtes pas chouchou chou pour abandonner? Bah c'est même nous qui l'ont en plus. Oh, je sais jusqu'au bout cela. Des Sina, je perds en plus à bataille Sina. Alors qu'est-ce que vous me filez vous? Malte, on peut prendre Malte, c'est bon. Chypre pour la reprendre. Et on va penser un petit peu de nos reconquêtes, c'est tout ce que je vous dis. Qui je vais le prendre? Ah! On t'intéresse, moi 10% du coup? Ah oui, ça me plaît. La stabilité coûte moins cher en plus, regardez. Avec le pouvoir délégué. Heureusement que j'ai des alliés qui m'aident. Ça sert à quelque chose, des alliés.
Intégration, bien sûr, ce sera moins. Les vieilles annexions, c'est pas possible non plus, il faut qu'ils soient en paix. Yep. Surtout la réforme. Ok, vos reneiges. C'est où ça vos reneiges? J'en ai que dalle à faire de vos reneiges. Non, non, parce que la Moscovie. On va s'arrêter avec tout ce qui est géorgien et arménien, on va trouver des limites. Ah si on est prétendant, la sienne, bah, c'est pas grave, c'est pas chez nous. Et déjà, vous voulez vraiment pas faire une paix les gars? Parce que, limite, vous savez, on fait une paix et puis bah... L'arrache, c'est où? Là-haut, d'accord. C'est bon, les rebelles. Heureusement qu'ils sont beaucoup moins forts que les troupes occidentales. Il n'y a que ça qui me sauve, hein. Parce que là, je suis vraiment à bout en termes d'effectifs. Il n'y a que ça qui me sauve. Autres là ah voilà on va fixer l'emprunt, ça c'est bonne nouvelle. Et Edjaz, demandez la paix, pas celle de Byzance, c'est pas la peine, mais on va pouvoir toujours taxer du pognon. On voit les pépettes. Et réparer son guerre en plus. Soulager la pression fiscale, voilà. Qui d'autre va raquer? Tunis. Paix blanche avec Tunis. Que mon armée s'est totalement pulvérisée. Et puis bon voilà, vous, Yémen, vous voulez pas, l'Éthiopie, ils veulent pas. Mamelouk, allez hop. Chypre, Malte, déjà, vous rendez ça. Damas, vous voulez pas, non? Bah je m'en tape. Voilà, bon. On a récupéré pas mal de choses intéressantes. Maintenant il faut légitimer. Ça coûte la peau des fesses de légitimer tout ça. Triomphe pour l'Asie mineure. On peut le prendre. Recouvrir Alexandrie. Oh, enfin, d'abord doter le pays d'une armée. Hein. De Crimée, il faut vraiment que je les explose cela. Regarde, me casser les pieds cela. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire?
Ils ont pris Azov, ils ont pris Azov, oui, ils ont pris Mansour. Répression diplomatique moins 4, quand ça se fait? J'allais essayer d'accord, mais bon, quand même. Non, c'est moins 3 pour la réputation diplomatique pourrie. Surexpansion. Ah, il y a la surexpansion. Mais Timori qui m'aime pas, d'accord. Je l'aimais aussi. Sans 2000 k. 56 sur 154 quand même. J'ai qu'un tiers de mes effectifs total. Toto. Vous m'aurez compris. Vous allez partir faire un peu de commerce. Allez, on va vous reprendre, vous. Lombri QWERTY. Vous allez m'aider, vous les alliés. QWERTY très bien ici, allez hop. Il y a pas mal de provinces qui sont pas contrôlées, bah oui. Déjà missionnaire à l'œuvre à Malte? Ça se passe très très mal, ça se passe très très mal. J'aime bien la relation avec eux, puisque vraiment j'aime bien la relation avec eux, vous. Car espagnol, non, hors de question. Administrative, ça je prends par contre. Je suis désolé, bon, pour l'église là, je suis mis à 95 et bon, j'ai vraiment besoin de ces points-là. Du coup, je vais revenir à Malte par contre. On va baisser l'autonomie. On sera avec l'Espagne, la Savoie, puis bah, Venise, c'est terminé. Je vais avoir combien de points au maximum? 1188. Ce qu'il faudrait par contre vraiment, ce serait une nouvelle technologie. Ok, on va prendre la technologie, puis si on prend la technologie militaire. Qu'est-ce les pieds des nobles? Oh, ils m'emmerdent. Mais vu de la grossièreté, bon, là c'est vraiment ce que je pense, là il m'en kikine. Là c'est combien? 15-7-3. Il faut absolument que je fasse d'autres régiments là. Et ça pise. Voilà.
Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Allez, ciao tout le monde!